c'est Willy Woof. Et c'est à 16h40. Southampton Terminal, un samedi comme les autres. Le Queen Elizabeth II s'apprête à lever l'ancre vers le Nouveau Monde. À bord, Myriam finit de se préparer. Elle va accueillir la vingtaine de passagers francophones candidats au voyage. Allez, on y va. Je suis hôtesse française, donc j'accueille la clientèle francophone à bord. Je fais en sorte qu'ils aient tout ce qu'ils aient besoin, de leur venir en aide si nécessaire. Bon, ça fait à peu près maintenant 3 ans que je travaille à bord. On compte faire encore ça pendant quelques temps et ensuite passer à autre chose. Héritier d'une grande famille transatlantique, le Queen est sur le point d'entamer sa 23e traversée de l'année avec à son bord 1500 passagers et 1000 membres d'équipage. Thank you. Hi, welcome aboard. Get yourself on the grey line there for me, please. Hello, ladies. Can I give you a hand with your luggage? Hello, welcome back. You know your cabin. Dès l'embarquement, les voyageurs sont pris par la main, conditionnés. Élégance et courtoisie pour ces nouveaux clients qui ont dépensé de 12 à 60 000 francs pour un confort et un art de vivre qui doit leur faire oublier 6 jours d'un huis clos, parfois houleux. Dernier préparatif pendant que les passagers arrivent et dernières petites attentions. Tout est programmé et minuté avant le départ. Bah, j'ai fait mes études comme tout le monde, ensuite j'ai fait l'école hôtelière. Avant de rejoindre le Queen, donc, j'ai travaillé pendant plus de 3 ans en Angleterre dans des hôtels. Et ensuite j'ai décidé de postuler et j'ai joint le Queen en 95. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Queen Elizabeth. Puis-je vous demander votre attention s'il vous plaît? C'est Myriam, votre hôtesse française qui vous parle. Dans environ 15 minutes, c'est-à-dire à 16h30, le signal d'alarme retentira. Il s'agit du signal pour l'exercice de sauvetage de tous les passagers qui ont embarqué à Southampton. Cet exercice a pour objet de vous familiariser avec les règles de sécurité du bord. Vous êtes regroupé à l'intérieur et non pas à l'extérieur près des canaux, car en cas d'urgence, vous pourriez être à votre poste de rassemblement pendant un certain temps et nous préférons que vous restiez confortablement à l'intérieur. On est là pour apporter un certain confort et une certaine atmosphère vis-à-vis du passager. Il faut s'accoutumer, il faut se faire accepter de tous les autres membres de l'équipage. On est une grande famille, donc on travaille ensemble et on dépend tous des uns des autres. Je prends le navire comme il est, je l'adore. Sur le quai, les dockers ne disposent que de quelques heures pour ravitailler le paquebot. Quant aux milliers de sacs et de valises, ils sont acheminés directement à l'intérieur de chaque cabine. Mais le plus délicat reste, comme à chaque traversée, la livraison des victuailles. 23 tonnes de fruits et légumes, 20 000 bouteilles de vin, 1 tonne de crabes et de homards. Bref, de quoi faire bombance jusqu'à New York, sur cette ville flottante. Thierry Guimard est chef cuisinier à bord du Queen Elizabeth depuis 7 ans. Son premier souci, avant chaque départ, vérifier la fraîcheur des produits livrés. Ça va être du bon produit. Ça, c'est un peu petite, mais enfin bon. C'est sûrement le dernier bateau qui continue à faire de la gastronomie, de la bonne cuisine, quoi. Donc pour un chef, c'est quand même intéressant.
Intéressant car le voyage est souvent jugé sur la qualité et l'inventivité de la cuisine, donc du talent de son chef. Cotillons et drapeaux n'envahissent plus comme autrefois les quais de Southampton. Mais l'émotion est toujours présente, ainsi que l'orchestre qui accompagne chaque départ comme une tradition qui va conduire ces voyageurs vers l'Amérique. Le commandant Warwick donne ses ultimes instructions pour sortir du port et gagner le grand large. Il y a une histoire sur ce navire, donc ça remplace nos anciens paquebots français aussi. Donc c'est le seul qui reste, hein, le seul transat. Hein. Il faut aimer la mer. Il faut aimer la mer par tous les états. Aussi bien calme que déchaîné. Hein. Ouais. Il faut être fou, cinglé. On en tombe amoureux, oui. Ouais. La cuisine centrale alimente les 5 restaurants des 3 classes. Chaque passager est affecté à une table pour toute la durée de la traversée. Et même si le menu est différent d'une place à l'autre, chacun y trouve finalement son compte. Je crois qu'on est un des seuls bateaux croisés à travailler avec une carte aussi complète. Mais par exemple, s'il y a un passager qui veut n'importe quoi, on est obligé de lui faire, quoi. Donc on a un grand choix d'ingrédients à bord. Voilà. On a pratiquement tout à bord, quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer, de la truffe, du foie gras frais, on a à peu près tout. On est le plus grand consommateur de caviar au monde. On pourrait vendre jusqu'à 9 ou 10 boîtes de caviar qui font 1,8 kg et jusqu'à 100-110 petits belugas qui font 150 grammes. Catherine et Pierre sont québécois. Ils sont venus à bord du Queen Elizabeth II pour le prestige et le côté festif de ce voyage pas comme les autres. Merci Dwight. Comment allez-vous ce soir, Dwight? Oui, c'est très bien. Bien. Et toi? Très bien, merci. C'est une surprise que j'ai faite pour toi, chérie. J'ai commandé du caviar spécialement. Merci. OK? Bon appétit. Merci. En fait, il n'y a pas beaucoup d'effervescence, Thierry, dans cette cuisine. Hein. Non, en fait, c'est pas mon style de respecter, de gueuler. Quoi. C'est pas en gueulant qu'on va avoir le respect de ses cuisiniers. Quoi. Moi, j'ai jamais gueulé et j'ai jamais eu de problème dans la cuisine. Faire la cuisine dans un paquebot comme celui-là, c'est différent? Bon, c'est un peu différent, oui, c'est sûr. Parce que, bon, à la fin du service, on propose la voiture, puis on rentre chez soi. Quoi. On a 100 mètres pour aller dans sa cabine, quoi. C'est ça. Bon, on est toujours l'un sur l'autre. Quoi. Donc, c'est sûr que c'est un peu différent. Quoi. On vit tous ensemble, quoi, plus ou moins. Mais autrement, question de cuisine, il n'y a pas beaucoup de différence. Quoi. Plus de 3000 repas sont servis chaque jour, sans compter les petits déjeuners et les extras que chacun peut s'offrir à tout moment en fonction de son appétit. Se remplir l'estomac restant tout de même la première des activités de sa transatlantique. Hello and fish on the down, please. One more, yeah? Yes. Ok. Ça fait 6 fois que je fais le tour du monde déjà, donc c'est assez intéressant. Et puis, bon, c'est vrai qu'on est bien rémunéré aussi, quoi. Donc c'est un tout, quoi. Thierry, vous êtes officier ici? Oui. Quand on passe sous chef, on devient junior officier, okay, différentes barrettes, quoi.
Et quand on passe chef de cuisine, on devient senior officier, quoi. 2 barrettes et demie. Et si on vous donne comme privilège, qu'est-ce que ça vous donne comme privilège? Bon, déjà, on a le droit de venir au club des officiers, aux messes des officiers, ici, quoi. On a le droit de se mélanger aussi avec les passagers. On a pratiquement, je dis, toutes les mêmes privilèges que les passagers, quoi, à part le casino. On n'a pas le droit d'aller jouer au casino, quoi. Marié avec la chef pâtissière du bord, Thierry et sa femme gagnent ensemble environ 50 000 francs nets par mois, qu'ils mettent intégralement de côté. Bon, c'est sûr qu'en plus, on fait beaucoup d'économies, puisque bon, on n'a rien à dépenser, quoi. Notre argent, et là, on est à bord pendant 5 mois. On travaille 7 jours sur 7, et puis c'est tout, quoi. Voilà, quoi. Et donc, vous ne payez pas d'impôts non plus? Non. Non. Donc, non, parce qu'on ne travaille pas en France, on travaille à l'étranger, quoi. Le bateau est anglais, on travaille sur un bateau anglais, quoi. Avantage non négligeable qui, ajouté à l'attrait du voyage, attire de nombreux jeunes vers le Queen Elizabeth II. Ce fut le cas pour Valérie, 25 ans, qui a décidé de tenter l'aventure. Il y a des gens qui restent très longtemps à bord. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici à bord rien que pour l'argent, c'est-à-dire qu'ils voudraient s'installer, ouvrir un commerce, donc ça leur permet d'épargner. Et ils peuvent ouvrir un commerce après plusieurs années. Ça va pour vous, madame ? Une première expérience en mer dont Valérie pèse aujourd'hui les avantages, mais aussi les vicissitudes. Tout a un prix, dit-elle, surtout les rêves d'adolescent. Je travaillais sur l'île de Wight en Angleterre et j'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé pour Cunard, mais sur un autre bateau. Il m'avait dit que ouais, c'était très bien, il avait vraiment aimé. Et je lui ai donc demandé l'adresse, puisque je m'ennuyais partout où j'allais. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas, on va essayer, ce sera différent. Vous arrivez à bord, le premier mois c'est l'horreur, vous vivez en enfer. Le premier mois c'est l'enfer, vous êtes perdu dans le bateau. Tout le monde vous dit, mais vous n'avez rien à faire là. Et vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Tout le monde vous dispute et dit, mais pourquoi? Et vous savez pas pourquoi. Il faut être très rapide. La cuisine est très loin de la salle. Il y a votre partenaire qui vous insulte de tous les noms parce que vous êtes trop lent. Alors vous courez autant que vous pouvez. Donc quelquefois on est fatigué, on n'a pas envie de sourire, mais il faut toujours sourire à bord. Vous avez vu, la croisière s'amuse, tout le monde sourit. Il faut toujours sourire. Quelquefois on n'a pas envie de sourire. Il y a le mal de mer, j'ai eu le mal de mer pendant 6 mois. Le mal de mer, c'est l'horreur, vous avez envie de mourir. Vous avez chaud, froid, vous ne vous sentez vraiment pas bien et il faut sourire aux passagers alors que vous n'êtes pas bien du tout. J'aime le danse le disco le soir. Ouais. Ben, comme ma femme a dit, Catherine, nous autres, on aime la danse, des choses comme ça. Peter est un vieil habitué des transats. Il en a effectué plus d'une centaine. Sa principale activité, inviter les dames seules à vaincre leur timidité et à danser avec lui. Sa fonction, host dancer, le danseur de ces dames. C'est un métier génial car on rencontre beaucoup de femmes très différentes. Et ça, c'est vraiment très drôle. Même si elles ne savent pas danser, on s'amuse quand même. Ça n'a d'ailleurs pas d'importance si on ne sait pas danser, ça devient un jeu. C'est tellement drôle de danser avec autant de femmes différentes. Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une manière de vivre. Au point de vue des activités sport, thalassothérapie... Ouais. Donc je vais vous faire visiter la salle de thalassothérapie, d'accord? Traiter les passagers comme des amis est une règle d'or que doit suivre le personnel et les hôtesses. Myriam s'y conforme à la lettre, même si la tâche est souvent fastidieuse et répétitive. Et c'est Dave avec Kevin Klein. Deux fois par jour, sur la passerelle amirale, Myriam doit traduire le programme des activités et en informer les passagers.
Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre hôtesse Myriam qui vous transmet de la passerelle les informations de navigation. L'aventure est parfois au rendez-vous. Après 30 ans de navigation atlantique, le commandant Warwick ne l'attendait plus. Comme beaucoup de marins avant lui, il a souvent ressassé la mésaventure du Titanic sans penser qu'un jour, sur le même trajet, il pourrait connaître une telle angoisse. C'était il y a 2 ans. Nous traversions l'Atlantique Nord au cours d'un voyage comme celui-ci. Le cyclone Louis remontait des Caraïbes. Nous nous sommes retrouvés très près du cyclone. Le temps était très mauvais et le vent extrêmement violent. Vers 1 ou 2 heures du matin, la mer est devenue très agitée. Le bateau tanguait dangereusement. Nous avons alors ralenti à 2 ou 3 nœuds. Et tout d'un coup, de l'obscurité, a surgi une énorme vague. Vers 2 heures du matin, il y a une vague de 90 pieds, ça veut dire 42 mètres de haut, qui nous est tombée dessus. 600 000 tonnes d'eau d'un coup qui est tombée sur l'avant du bateau, qui a enfoncé l'avant du bateau. Là, j'ai vraiment cru que le bateau allait au fond, quoi. La plupart des passagers étaient en train de dormir. Certains se sont à peine rendus compte de ce qui se passait. En fait, il faut savoir que ce bateau n'est pas un paquebot ordinaire, c'est un transatlantique. Il est beaucoup plus robuste. Captain Warwick est là en ce moment, c'était lui qui était à bord, ça fait bien 30 ans qu'il était à bord. Il n'avait jamais vu ça. À la passerelle, ils sont tous baissés quand ils ont vu la vague passer vers 2 heures du matin. Parti le bateau, carrément. Le Queen Elizabeth II n'est pas insubmersible, mais les probabilités qu'il puisse couler sont très faibles. On a dit du Titanic, par erreur bien sûr, mais aussi par souci de marketing, qu'il était insubmersible. Ce fut une faute grave, on le sait. Pourtant, même à l'époque, en 1912, la technologie était très avancée. Il y avait de vraies séparations dans les compartiments de soute afin qu'ils ne soient pas inondables. Nous avons toujours ça aujourd'hui, avec en plus un certain nombre d'éléments qui permettent d'être encore plus en sécurité. Mais bien sûr, si nous avions 3, 4, 5 compartiments inondés, on pourrait couler. Titanic fut une tragédie et de nombreuses personnes y ont laissé leur vie. Mais de ce mal, on a tiré des enseignements. Des règles de navigation plus rigoureuses ont été décrétées et la législation est désormais beaucoup plus stricte. Par exemple, on a créé des patrouilles internationales qui sont destinées à surveiller la position des icebergs. De cela, tout le monde profite aujourd'hui. Il y a maintenant à bord, notamment, assez de canots de sauvetage pour tous les passagers. Ce fut une tragédie, bien sûr, mais les marins en ont tiré des enseignements. C'est quoi, à quelle heure? Faut voir le capitaine. 8 heures. Nous autres, on n'est pas dans la première classe, on est dans la troisième classe. C'est évidemment que la cabane n'est pas tellement luxurieux. Il est petit, il est comme un garde-robe, autrement dit. C'est pas évidemment dans notre catégorie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, ce soir. Je pense que je vais prendre l'homard. C'est l'homard ce soir. Du homard pour passagers de troisième classe et la soirée du commandant pour tous, afin de faire oublier le temps d'un gala, la fortune des uns et les infortunes des autres. Catherine et Pierre l'ont préparé cette soirée. Robe à paillettes, nœuds papillons, chacun y va de son élégance, histoire de la raconter aux amis. Une fois à terre. Super, thank you very much. And hello, young lady, how are you? Nice to see you back. On a choisi la Queen Elizabeth parce que c'est un bateau romantique. Nous autres, on a trouvé ça romantique, point de vue que nous autres, on est mariés 28 ans. C'est formidable. Alors, comment vous avez trouvé la poignée de main du commandant?
Ah, oh, c'est formidable. Elle est très bien. On n'était pas nerveux. Were you nervous? Ça passe trop vite. Il est très joli. Mais c'est pas la première fois non plus. C'est la 15e fois. Une transat à bord du Queen, c'est aussi des divertissements, des spectacles. Broadway avant New York, pour se mettre dans le bain. Tracy a choisi de se produire sur le Queen pour faire le tour du monde, en chantant et en dansant. J'ai débuté professionnellement dans des music halls et j'ai l'habitude de me produire sur des scènes de théâtre. Cela dit, j'ai accepté ce genre de spectacle pour pouvoir voyager et vivre à bord de paquebots, notamment le Queen. Et puis je rencontre des gens passionnants. Je suis là pour m'amuser, pour prendre du plaisir. Je vois des gens nouveaux et je partage une aventure avec eux. I'm paid well in my paycheck. J'ai un bon salaire, je ne paye pas ma chambre, je ne paye pas de loyer, je ne rembourse pas d'emprunt, je ne paye pas ma nourriture, j'ai une femme de ménage qui nettoie ma cabine tous les jours, j'ai un chef qui fait la cuisine pour moi, j'ai des gens qui lavent mon linge. C'est la vie en rose, quoi. C'est une très belle vie. Bateau, je le quitte quand je veux. Il y a rien qui me retient. C'est moi qui veux le faire. C'est mon souhait, c'est tout. Ce qui me fait rêver, c'est la liberté. C'est d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux, d'aller où je veux, de visiter le monde. Et il n'y a rien de plus cher que la liberté. Il y a des gens qui sont très riches et qui ne sont pas libres, qui sont quand même malheureux. Moi, je suis heureuse. Pas tous les jours, mais en général, je suis. Un bonheur que tous ne partagent pas de la même façon sur le paquebot. Ces manœuvres philippins, notamment, qui travaillent de 15 à 18 heures par jour dans des conditions difficiles pour 4000 francs par mois et qu'on nous a empêchés d'interroger. Pourtant, en fermant les yeux, le rêve reste accessible pour les âmes poétiques. Et je me trouve ici, en plein milieu de la mer, avec rien autour, et c'est une rêve. Il est tellement grand, on est plusieurs, il y a 1500 sur ce bateau, mais il y a des moments qu'on se trouve toute seule. Et on est vraiment toute seule sur ce grand bateau, au milieu de la mer. Et c'est un rêve, parce que tu sais qu'il y a un jour, tu vas arriver à l'autre côté. Mais tu sais pas quand, tu perds la notion du temps, des jours, des nuits. Ça passe. Tu n'as pas l'impression que tu vas arriver.
pourtant, tout arrive. Même le karaoké que l'on sert à bord comme le café, à grande tasse. Et tant pis si certains n'y prennent qu'un plaisir quelque peu convenu. L'important est de toucher au port. Pierre et Catherine, finalement, enfin arrivé à New York? Oui, enfin arrivé à New York. 6 jours. C'est long, mais on est là. Ouais. Notre prochain rendez-vous, en 99, nous débuterons l'année par une visite des fonds sous-marins en compagnie de fous de plongée. Ils sont pêcheurs de corail, archéonautes, chercheurs d'épaves ou plongeurs à tout faire. Ils se disent travailleurs de la mer et vous feront peut-être rêver le temps de notre 597e numéro. Voilà, j'espère que le Père Noël vous a gâté, que la Saint-Sylvestre vous sera agréable. J'espère aussi vous retrouver nombreux le 2 janvier prochain. Excellente fête à tous. Au revoir.